Necrosmith 2, épisode 0. Let's go. Il y a un proverbe qui dit « La première fois est un accident, la deuxième une erreur, la troisième un schéma. » Ouais. Et cela ne concerne que ceux qui commettent des erreurs. La première fois, nous sommes arrivés ici par accident, mais j'ai fait des recherches avant la deuxième fois et il n'y a pas d'erreur. Me revoilà et ce sentiment d'être observé revient. L'engrenage est en marche. Je vais essayer les voix. Cette fois, je connais le schéma. Necrosmith 2. Rogue H. Appliquer mode fenêtré. Résolution. Je m'en fous du mode fenêtré en vrai. Jouer. Voilà. Prêt. Incroyable. Ah, c'est un jeu de stratégie en vrai. Enchanteur arcanique. Les morts peuvent être animés dans l'enchanteur arcanique. Assembler le premier mort en remplissant tous les emplacements. D'accord. Je fabrique des morts, bordel. Le jeu de mort. Emmêler squelette. Libérer. Lever une armée, assembler et ranimer 4 morts de plus. Tester différentes combinaisons de parties, vous voyez ce que ça donne. Hein? Protéger. Animé. Incroyable. Ah ouais, c'est un jeu de stratégie en vrai. Il y a du brouillard là. Je comprends rien, mais c'est pas grave. Animé des morts apparemment. Capturer des bâtiments. Lorsque vos morts s'approchent de bâtiments similaires sur la carte, vous en prenez le contrôle. À partir de là, l'objet capturé générera la mana, du minerai, de l'or et des... Ok. Ah oui, il va tout éclater là. Un jour nouveau se lève. Le jour où vos ennemis sortent de leur repère et avancent vers votre tour. Gardez cela à l'esprit lorsque vous planifierez la libération de vos morts. Hors de la mana la nuit. Un de vos morts a trouvé un portail. Désormais, vous pourrez libérer vos morts à partir de n'importe quel portail trouvé et non plus seulement à partir de la tour. La porte est activée. Vos morts sont tombés sur un repère ennemi à la lumière du jour. Les ennemis sortent de ces bâtiments pour attaquer votre tour. Oui ? Allô ?
fond de la tour. Ah ouais, c'est pas bon là, c'est pas bon. Ah ouais, y a bagarre là. La nuit est tombée. De nouvelles parties du corps apparaissent dans la tour. De tous les bâtiments capturés par vos morts génèrent des revenus. La nuit, les ennemis s'affaiblissent et restent dans leurs repères. La tour est attaquée. Les ennemis ont atteint votre tour et l'attaquent. Ok. Protéger la tour. Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de temps pour réfléchir. Mettez le jeu en pause. Ah ouais. Je peux le mettre en pause en haut. D'accord. Oui. Allez, démontez-le, bordel. Voilà, c'est ça qu'on veut. Cassez-lui la bouche. Vous avez trouvé un plan d'amélioration pour la tour. Cliquez sur le ruban. Il est en train de les délettre là. Ah, ils arrivent à la tour. Incroyable, vos morts animés sont affichés en bas de l'écran. J'ai placé le curseur sur un pour ouvrir ses options. Défendre la tour. Collecter les ressources. Incroyable. Thank you.
Rapporte deux parties de corps de squelette ou de zombies. Recette. C'est la bagarre. Que trouver. Il est buggé lui. Les morts ordinaires ne peuvent pas suffire à combattre des ennemis puissants, il vous faut des titans. Incroyable. Pour créer un titan, vous devez d'abord sélectionner les recettes pour chacune de ses parties de corps. Les recettes pour cette partie de titan disponibles seront affichées. Pour le moment, vous ne connaissez qu'une recette, sélectionnez-la.
Vous avez terminé la recette pour créer votre premier titan. Vous pouvez la consulter dans la fenêtre de gauche. Pour créer le titan, vous devez mettre dans le chaudron toutes les parties du corps spécifié dans votre recette. Pour ce faire, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur les parties du corps en surbrillance dans l'inventaire. Je n'ai pas assez. Allez, défoncer les bordel, c'est quoi des pingouins? Allez, bim. On est en train de se faire déglinguer là. Allez, blam, blam, bam, bam, bam. Tu veux pas nous sortir un titan là? Animé. Incroyable où ça. Comment je le libère? Voilà.
défendre la tour. Il a pas le temps, bordel. Tac. 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 Voilà. Attends. C'est la guerre. Allez, bim! Être de maître de chair. Incroyable! Sauf que j'ai plus de squelette là. On va se faire éclatos. Amphibie.
Une tête là. De la muertos. Vous êtes mort. Voilà. Utilisez l'or pour réparer et améliorer les objets. Par défaut, les artefacts sont inactifs et stockés dans le trésor. Ah ouais, c'est en mode roguelike en plus. Incroyable. Et des hôtels supplémentaires sur la roue chimique pour augmenter le nombre d'artefacts activés simultanément. Épisode Terminares. C'était Necrosemi. Next game, à tout de suite.